Ça va ou quoi, les amis? Je mange des dinosaures. Je sais pas si vous vous rappelez de ça. Pas si vous vous rappelez de ces gâteaux. Et encore, c'était pas mes gâteaux préférés de quand j'étais petit. Il y en avait d'autres, mais ils n'existent plus. Enfin, en tout cas, je les trouve plus dans les magasins où je vais. Et c'était les meilleurs gâteaux du monde. Donnez-vous la peine d'entrer. Mais tu vas te spoil du coup. Bah bon courage à vous deux. Je pense que les deux ont besoin de courage. Bah tu vas te spoil sur ce que tu vas découvrir sur mon stream. Ah oui! Ah oui, monsieur, il a fini. Avant, il lançait que des ludicolos. Maintenant, monsieur se la pète un petit peu et nous sort des gros trucs là. On va jouer un peu sérieux là. Alors là, meuf, fais gaffe, hein. Tu sais à quel point je peux passer en mode tryharder. Elle va backseat. Je peux la ban, hein, même si elle est modo, je peux la ban, hein. Bravo Pharaon! Oh non, pas Vampire Reine. Pas sur Pharaon. C'est bon, let's go! Là, c'est Farm qui va carrer ce teamfight. Hein. C'est celui qui est niveau 45 qui a Vampigraine. C'est celui qui est niveau 45 qu'il faut qu'on tape. Salut Chrétien! Quoi de neuf? Oh le giga sans su, putain, ça fait mal ça. Oh, pas toute ta vie, hein. Ça va. La pluie continue de tomber. Insupportable. Terminado. Plus que la dernière fois. Bon, l'important c'est que ça aille. Hein. Let's go. Il est tombé. Noctali.
Bah bon courage. Je sais pas ce que tu fais comme travaux, mais bon courage. Ah, je savais pas que tu pouvais faire du télétravail. Je savais pas que c'était possible. Plein de trucs, quoi. Ok, on a un ramboum. On va essayer de tomber le... Si j'ai bien compté, normalement, je reste à genre 1 PV. C'est ça. Let's go! Je vous ai dit Pharamp, hein. Pharamp, un des Pokémon les plus sous-cotés du jeu. Pharamp, c'est juste trop fort. Armaldo. C'est Insecte Roche. Je crois pas qu'il a le type sol. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Ok. Ok. Je pense qu'on va bourrer le Armaldo. Je pense pas qu'il est sol, je crois qu'il est roche insecte. Hein. Ouais, c'est bon. Donc ça touche. C'est sol qui est inefficace pour les attaques électriques, pas la roche. Et ouais les gars, apprenez vos tables de type là. Hein. Bon, toi t'es dans la merde tout seul là. Hein. Tout seul, paralysé. C'est gagné. Oh, c'est ciao. Ah bah j'imagine que de votre côté ça devait être folklorique, comme on dit. Avec les bugs, les machins, les trucs, les bidules, les... Bah un peu comme la sortie d'une extension de World of Warcraft, non? Un peu comme une extension de WoW en fait. Ou comme une mise à jour de n'importe quel jeu. Ah merde. Ah ouais. Ouais mais c'est pas des geeks, c'est pour ça. J'ai perdu pour de vrai. C'est une défaite totale. Bah c'est pas grave, tiens prends ça. Tiens un passe rouge. C'est un cadeau de notre grand chef mec. Sans ça tu ne pourras pas aller plus loin. Bah s'arrêter là serait peut-être plus indiqué pour ta santé. Pas le jour même, non, je crois qu'on a fait peut-être une ou deux semaines après. Mais bah, c'est pas des geeks, quoi. Je pense que c'est ça qui fait la diff. Ils ont pas été soignés. Hein. Franchement, même s'ils sont pas soignés, vas-y, je tente. Dakim. Un combat est lancé par Admin Ombre, Dakim. Un petit Kaorin et un Barbicha. Barbicha par contre c'est sol. Je crois. Oui. Mais Barloche, je crois que c'est Roche. Oh, je sais plus. Pour moi, c'est du full sol en face, en fait. Bah écoute, bah moi, je geek. Je geek, je vais découvrir Binding of Isaac qu'on m'a offert. Ouais, c'est ça. Donc écoute, bah moi tout va bien. Hein.
Moi, du coup, ça se passe plutôt cool, hein. J'ai Camille qui est partie en vacances, donc ça a geeké à fond. Bah c'est pour ça que je pars pas en vacances. C'est actuellement en cours. J'ai plusieurs entretiens, plusieurs trucs. Mais c'est sur des tafs vraiment différents les uns les autres. Là où je cherche juste un taf qui... qui me réveille dans ma tête. C'est, je veux un taf qui me fasse marcher les méninges. J'en ai marre des boulots où t'arrives le matin, tu débranches ton cerveau et tu le rallumes le soir quand tu pars. Pff, moi ça me vide, ça me vide. Ah je sais pas, le truc c'est que moi j'ai vraiment besoin quand même de contact humain. J'ai besoin de voir des gens, de discuter, de... Parce que... Pff, tu vois, développeur, j'ai l'impression qu'en gros, c'est l'impression que ça me donne. Hein. Mais t'es derrière ton PC et t'attends que ça se passe, quoi. J'ai branché ça quand je rentre. Aïe. Aïe, aïe, aïe. On aurait peut-être dû aller soigner. Elle va nickel. Là, elle est en retraite de yoga. Elle est partie se faire une petite retraite de yoga. Tranquillement, avec une pote à elle. Je suis tout seul à la maison. Du coup, maintenant, bah, ma nourriture, je me nourris, tu vois. Je me nourris genre très très bien, très très équilibré. Enfin, voilà, quoi. Non, je vais aussi acheter des pasta box et de la salade, vous inquiétez pas. Yo, Hugues. Les Hugues. Alors là, ils vont inverser, c'est ça. Faut pas me faire avoir deux fois. Pardon, qu'entends-je? Oui, j'ai acheté de la salade. C'est pas les femmes qui font la cuisine. C'est que moi, je sais faire la cuisine. Mais on ne mange que de la merde quand je fais la cuisine, c'est tout. C'est-à-dire que moi, c'est des pasta box, c'est des croque-monsieur, c'est des gnocchis, c'est des pâtes. Alors que Camille, ça va être des pâtes, mais avec, il va y avoir un petit poivron qui est revenu à la poêle, il va y avoir un petit truc. Ouais, tu crois. Tu veux que je vienne travailler avec toi, Hugues? Boum! Oh non! Oh là là! Oh là là, oh là là, oh là là, qu'est-ce qu'il nous fait lui? On sent quand même que mon Octali et mon Mentali, c'est vraiment les caries de l'équipe. Hein. C'est quand que tu fais des jeux, Hugues là? Je trouve plus de jeux qui me motivent. Fais des jeux, s'il te plaît. Oh, le Démolos! Oh, le Pokémon, un des Pokémon les plus stylés du jeu! Non, non, c'est le Hugues que tu connais. C'est le Hugues que tu connais. Tout va bien. Ah parce que toi t'as déjà fait du développement sur des jeux vidéo, Hugues? Mais non. Y'a même Camichou! Oh les dégâts! Que des devs ici, ouais Camichou, développeur. Développeuse mais pas sur ce qu'on pense. Développeuse sur elle-même. Ok.
Bon, c'est là que ça se complique un peu. Parce qu'il est ténèbres et du coup mon mentaline ne sert à rien. Nice. Putain, les animations quand même. Je reste sur la morsure. C'est pour... Pourquoi je fais morsure? Pour tenter de lui foutre la trouille. Aïe aïe aïe. Oh. Démolos, ça lance soleil? Vraiment? Démolos peut apprendre l'attaque lance soleil? Qu'est-ce que c'est que... Qu'est-ce que c'est que c'est si magré? Aïe aïe aïe. Aïe y'a le zénith. Aïe y'a le zénith, c'est peut-être un one shot hein. Ok, ça passe. La force cachée. La force cachée est en moi. Et c'est let's go. C'est la victoire sur Dakim. Bien joué Nocta. Noctali, valeur sûre. J'y joue sur RAM Station. J'y joue sur RAM Station sur le PC. Un passeport pour l'enfer. RAM Station, juste le meilleur logiciel quand on aime le rétro. Bon, là, peut-être à se soigner, hein. Ah mais ça tourne, mais Rome Station mec c'est la vie hein, ça tourne trop bien. Pourquoi tu joues pas sur Switch? Il est sur Switch là Pokémon Colosseum. C'est Stadium qui est sorti sur Switch. Y'a Colosseum aussi, bon parce que j'ai pas envie d'acheter en fait. Il est gratuit sur Rome Station. Voilà la réponse. Ah t'as confondu, ok. Je crois pas qu'ils aient encore sorti de jeu GameCube sur... Sur la Switch. Tweet, 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 tweet. C'est clair. Là, tu vois, j'ai acheté un jeu récemment. Je suis déjà en train de regretter, quoi. Parce que j'ai déjà bientôt fini à 100% et je suis loin de mon quota 1 euro, 1 heure quoi. Après Camille a dit que c'est parce que je suis trop fort donc je sais pas comment... Je sais pas quoi y penser quoi. J'ai pris Pikmin 4. En plus je l'ai pris à Leclerc donc je l'ai eu à 45 euros au lieu de 60 sur le store. Et je suis à 20 heures de jeu et je crois que je suis dans la dernière zone.